La saison dernière, j'ai fait deux vidéos avec les U18 de l'Olympique Marquois en Gambardella. Elles sont toujours disponibles sur ma chaîne, alors si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Ça a été une super aventure humaine, donc j'ai décidé de remettre le couvert cette année avec la nouvelle génération. Ok, on va accélérer, mettre un petit peu de mouvement tranquillement. On met de la vitesse maintenant, on met de la vitesse maintenant. On met de la vitesse, ouais. Il faut que ça aille plus vite maintenant. Allez, 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 on connaît maintenant. Allez. Toutes les actions marquent des buts. Mettre de la folie, ça va augmenter l'exigence de l'adversité, d'accord? Et ça va faire en sorte que l'entraînement, il va prendre encore une autre dimension, d'accord? Là, les jeunes, sans ballon, c'est proche de zéro. Je veux voir plus. Penalty sur la ligne blanche, penalty Hugo. Allez, d'accord. Ah, quand même. Donc poussette dans le dos. Ouais, fais-toi justice. Ah, là, 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 là. Ouais, dommage, on enchaîne, mets du rythme, mets du rythme. J'aime bien quand t'as fait comme ça. Là, ça me plaît. Ça me plaît. Ok. Allez, on dit. Alors les objectifs de ce soir, ben, ça sera déjà de proposer de faire un plan tactique par rapport à ce week-end, par rapport au match, de créer des exercices qui nous permettent justement de trouver une cohésion et une cohérence dans le jeu par rapport à notre adversaire. On ne sous-estime pas, hein, puisque aujourd'hui c'est la Coupe Gambardella, donc s'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt et c'est qu'ils ne sont pas là par hasard. On fait en sorte de concerner l'ensemble des joueurs, parce qu'une saison c'est long et on peut avoir des blessures, on a plusieurs matchs, on a la chance d'être encore qualifié en Gambardella, donc ça veut dire que tous les week-ends on joue. Les Roses démarrent en appui. Sur les deux jeux. Premier but détermine le sens de jeu. Je donne un exemple. Les jeunes marquent sur ce but-là. Les jeunes attaquent les deux buts verticaux. Allez les bleus! Maintenant le monde, notre couteau! Comment sur le côté? Hassen, tu passes en 6, Hugo, tu passes en 10 du coup. We'll be right back.
là on manipule, machin, mais il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Il faut que notre attaquant il puisse toucher des ballons, que nos excentrés touchent des ballons. Dimanche, c'est moi qui prends le match de la D2. Ayez les attitudes qu'il faut. On est d'accord tout le monde là? Ok. On a combien là? C'est pour le jeu. C'est pour le jeu. Il n'y a pas de causerie motivationnelle à faire. Je pense qu'aujourd'hui, si moi j'avais 17 ans et que j'étais à 90 minutes, voire 95 avec les arrêts de jeu, de jouer un 64e de finale de Gambardella, franchement, le coach peut me dire ce qu'il veut. Moi, je sais que je vais rentrer sur le terrain pour tout défoncer. J'ai mis des affiches, je ne sais pas si vous les avez lues. Aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est écrit là, c'est ce qui est important aujourd'hui. Tout ça, ça va être le résumé de ce qu'on va essayer d'entreprendre et de mettre en place avec un adjectif majeur, l'humilité. On doit être conscient que si on fait les choses sérieusement, ils ne viennent pas nous prendre la qualif ici. Hors de question. Ce qui est arrivé là, un jour, j'espère pas, mais ça peut arriver à un de vos potes à vous, etc., etc. Et lui, il faisait tout à fond. Donc faites-le aussi pour lui. Faites les choses, faites ce que vous savez faire. Et ce que vous savez faire, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Bon match! Allez.